Bon bah après une VOD de 3h, vous aurez une VOD d'une heure 20. Allez, c'est parti, puisque du coup à 20h30, nous on bouge, hein. Oh l'enfer. Ok. C'est vrai qu'à l'époque on aurait pu avoir des dramas sur la 3DS quand ils ont sorti Dragon Quest Monster Joker du coup puisque c'est la même chose que Pokémon. Enfin c'est le même principe que Pokémon. Et pourtant ils l'ont pas fait. Docteur, c'est vous? À part le porcelet, je me suis perdu des dizaines de fois et j'ai tourné en rond avant de revenir au laboratoire. Impossible à trouver, mais vous n'êtes pas le docteur? Il est où le labo? Je ne vous le dirai pas. Bah alors. Y a même pire que ça, enfin mieux que ça, Master Zeus. Y'a un hôtel de vente, y'a un HDV des Temtem. C'est-à-dire, tu peux mettre des Temtem en vente. Et ce n'est pas une blague. Oh le Zao bien niveau 100! Ouh! Allez, allez. Allez, mange ta mère. Mange ta mère. Mais non, c'est pas ça que je devais faire, c'est des attaques. Oh le con. Ah! J'aurais pu économiser un heal, mais bon, dommage. Il y a des deux fous. Mais oui! On peut même acheter de l'huma, je pense. Ah, je pense que même des mecs peuvent. Il y a des mecs qui vendent leur luma aussi. Donc tu peux te faire un business où tu vends tes luma et tout, je crois. Ouais, c'est contre de l'argent du jeu, hein, donc vous attendez pas à faire des thunes, hein, ça marche pas comme ça. Hein. Allez, on y va! Dans le laboratoire. Quoi? Par le loin dessous, il y a vraiment un laboratoire secret ici. Comment le clan Belzotto a pu installer un tel équipement dans un endroit pareil, tout en gardant son existence secrète? Comment est-ce que... Quoi? Ah. Bonne question, Jimmy Bois. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il serait impossible de faire tout ça sans la complicité du maître de dojo local. Alors c'était vraiment Percival. C'était qu'une diversion. Percival doit déjà être loin en ce moment même. Non, pas du tout, Percival n'a jamais été le chef des Belzotto. À vrai dire, il n'a jamais fait partie du clan. Non, il a été manipulé, il a aidé le clan sans même le savoir, sans même connaître son existence. Lorsqu'il invitait Nala à le rejoindre, il n'avait aucune idée que nous allions la capturer. Lorsqu'il a organisé le tournoi Temtem, il ignorait que c'était un stratagème du Belzotto pour faire sortir les archidresseurs de leur cachette. Et lorsqu'il a étouffé l'affaire du Kiziwa et qu'il a empêché les médias arboriens de parler du clan ou du congrès, il ne s'est pas douté un seul instant qu'il travaillait pour le compte du Belzotto. Ah, et donc, ah oui, non, mais là, le vaussaire du bonhomme, quoi, genre. Il a masqué tous les trucs des Belzotto, mais il se doutait pas qu'il bossait pour les Belzotto, genre. Tout ce qu'il faisait, c'était suivre les conseils d'un ami de son ami le plus proche. Constantinos. Tu ne croiras pas, jette un oeil autour de toi et tiens en toi tes propres conclusions. C'est Constantinos, c'est sûr. C'est sûr et certain que c'est Constantinos. C'est Constantinos, c'est sûr et certain. Le plus grand Temtem Mario que j'ai jamais vu, je me demande bien quel genre de Temtem il a pu avoir d'espace, ouais. Ah, c'est tellement Constantinos. Par ordre de KR. Évacuer tout le personnel, il est pas... Ouais. Nala, elle est notre priorité absolue, il est impératif qu'elle ne puisse pas s'enfuir et qu'elle... Ouais. Quel KR. C'est très bien qu'il se cache derrière le K, continue. Putain, c'est Constantinos depuis le début, c'est pas possible. Ouais, t'as un autre ici joint, t'as machin, ouais. Attendez, qu'est-ce que c'est? J'ai les bois, c'est le professeur Constantinos. Bah oui. Bah oui. C'est lui depuis le début, il m'a raconté son histoire lui-même. Tu veux l'entendre? C'est dur à encaisser, mais nous devons agir. Constantinos avait toujours un coup d'avance sur nous. C'est parti du congrès, il connaissait tous nos plans. Oui, notre chef professeur avait fait le nécessaire. Il a joué sur leur ancienne amitié pour manipuler Percival. Il ne se doutait de rien, et aucun d'entre vous non plus. Constantinos ne perdrait aucune occasion de se moquer de vous. Il a berné tout le monde, moi compris. Il me répétait que j'étais son élève préféré, que j'étais destiné à faire de grandes choses, que tu n'étais rien face à moi. Tout ça me paraît tellement idiot désormais, tellement ridicule. Mais que signifie KR? Constantinos Rex. Il m'a dit un jour vouloir établir la monarchie à Arbury et en temps voulu devenir l'empereur de l'archipel. Bien sûr, il m'a promis de grandes récompenses une fois qu'il régnait sur les 6 îles. Faut l'arrêter, ouais. C'était sûr que c'était Constantinos. Il est probablement déjà trop tard, il a dû s'enfuir à bord du Telobos. Nous l'avons neutralisé avant de venir, il ne peut pas s'échapper. Ça fait neutraliser le Telobos, vous êtes impressionnants tous les deux, à votre manière. Dans ce cas, nous avons peut-être une chance, il doit être encore à Arbury. J'ai entendu parler de ce château de Flancombette. Ah oui, le château de Flancombette qui est dans les bois, ouais. Et je crois qu'il y a une sorte de lac se trouve... Ah non, le château de Flancombette c'est de l'autre côté, bah non, je suis con. Je suis jamais allé moi-même.
Mettons-nous en route immédiatement. Ah, Constantinos. Ah, je l'avais call, hein. Je l'avais call, hein. Constantinos Rex. Hop, hip, hop. Bon, il faut aller chercher Constantinos, mais d'abord... J'ai des œufs à aller chercher. C'est vrai qu'en fait, finalement, plus je avance, plus tu te rends compte que c'est forcément un personnage qu'on connaît, quoi. Ça semble logique, hein. Hop là. Après bon, il avait un coup d'avance sur, il avait un coup d'avance avec les trucs, mais en soi, il s'est pas, ouais. Après, il a pas fait grand chose, hein. Ah mais moi, le breeding, c'est à Lusiade sur, par exemple sur épée bouclier, j'ai passé la majorité de mon temps. J'ai fait que des œufs. J'aime trop, moi. J'aime trop faire des œufs pour les shiny. J'aime trop. Hein. C'est un bonheur. Hein. Après, dans le jeu, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Ah, le 14e de la journée. On peut sauver le monde, mais on peut aussi faire des œufs, c'est ça. Ok, bon bah du coup, on va les laisser là pour l'instant. Je vais pas en faire plus pour l'instant, je pense. Ça sert à rien. Parce que là, on va s'embarquer dans une histoire. On va peut-être attendre juste que l'œuf éclos là, puisqu'il reste 30 secondes. Ça, je vais pouvoir prendre le deuxième, un autre œuf. Et puis voilà. Ah, l'écriture inclusive, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Allez. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Éclosion. Et c'est là le Vex Luma. Bouh. Je tentais le call. Allez mon petit. Si on n'a pas mieux, je partirai là-dessus. Mais bon, on peut avoir mieux. On peut avoir mieux, on le sait. Ah, 15. 15 Luma déjà vu aujourd'hui. Trop cool en vrai, ça régale la team. Désolé, je suis chiant, mais j'en fais exprès, my bad. Mais du coup, le château, on est d'accord que c'est à côté de Lockburg. C'était à côté du lac. Il va falloir qu'on y retourne à pied là. C'est là-bas le château. Bah ouais. Ah ouais. Ça a une gueule de château en tout cas. Bah s'ils l'ont fait les cheese, c'est que voilà. Hein. Hop. Voilà. Faut partir tout de suite et enfoncer les portes du château de je ne sais quoi. Ça pourrait mal tourner, nous savons pas combien de belles autos se trouvent là-bas. Et les renforts du congrès sont en retard. J'ai moi, il faut qu'on cause. On a un problème, c'est urgent. Ça devra attendre. Si c'est ce que vous verrez vrai, les belles autos détient Dalla dans un château. Et leur chef, elle devra attendre, tu veux dire. Je crois pas que ce soit possible, Carlos. Voyez-vous, si je dois passer une minute de plus avec elle, je vais tout simplement l'étrangler. Qui? Elle. Qu'est-ce c'est fou là, elle? Vous? Enfer et damnation! Pourquoi les crashs du dirigeable ne sont pas si dangereux? C'est bon, tu peux l'étrangler maintenant? Oh, voyons, ne soyez pas si aigri, ma petite capitaine des airs! Tels sont les aléas de la guerre. Un jour vous êtes victorieux, le suivant les dissensions déchirent vos rangs. C'est cruel, vraiment. Je suis venu me rendre volontairement, comme le veulent les us et coutumes de la chevalerie. Chevalerie, vous voulez dire qu'il dit s'il vous plaît avant de vous réduire en charpie, c'est ça? Oh, cet excès de violence est ma foi fort peu digne d'une capitaine de frégate aérienne, si vous voulez mon avis. Que vous est-il arrivé, madame la princesse Nobinard? Lassé de suivre les ordres de Constantinos? En effet, en toute franchise, j'ai toujours été plutôt sceptique en ce qui concerne ce projet extravagant de sacrer un nouveau roi. Ah, d'accord, il veut vraiment devenir roi, le con.
Oui, le Japon ouvre ses portes, ouais, ça a été annoncé. Hein. En la personne d'un simple roturier des Nissan, je veux dire. Ah, vous avez quitté le clan Belzoto parce qu'il ne voulait pas faire de vous la reine? Et moi qui me croyais hypocrite? En silence, canaille, laissez parler les personnes qui vous ont supérieur. Ce gradin a grossièrement élu domicile dans la demeure ancestrale de ma famille. La coupe est pleine, je ne peux plus être associé avec ce pleutre de Belzoto. Vous pouvez nous dire. Ouais, dis-nous. Oh, jeune dresseur, je suis très certainement vous offrir une aide précieuse pour vaincre cet arriviste luciférien. Luciférien, pardon. Bien sûr, en échange de ma reddition, vous devrez m'accorder une certaine immunité. Oh, pour l'en dessous, je ne vous accorde rien du tout. Vous avez détruit mon dirigeable, vous avez bien failli tuer tout mon équipage. J'ai fait venir de peintres seulement quelques jours avant. Moi, je vous prie d'éloigner cette hérétique de moi. Je suis sûr que nous pouvons régler ce différend entre personnes ayant reçu une bonne éducation. On crache le morceau, les 10 pipelettes. Où est Constantinos et comment pouvons-nous accéder au château flancombette? Oh, quelle rustrerie! Je ne supporterai cet outrage en gardant la tête haute, car tel est le devoir d'une gentille dame. Oh putain, en plus, j'en peux plus. Très bien, Denisa, de porter l'oreille. Naturellement, le château de flancombette possède une entrée secrète. En plus, elle n'est pas gardée, car nul autre que moi n'en connaît l'existence. C'est, à mon humble avis, votre meilleure option. Ce chemin passe sous le château et mène à la salle principale. La femme que vous recherchez, Nelly ou je sais quoi, est détenue prisonnière dans les cachots. Je possède la clé, bien évidemment. Let's go. Vous pouvez y accéder en passant par les bois à l'est, après Greenland. L'entrée est facile à rater, car elle est habituellement camouflée par un feuillage dense. Mais n'ayez crainte, je peux vous aider à le trouver. C'est exactement ce qu'il nous faut. Je vais prévenir les archidresseurs au Cromlech. Si Constantino c'est là-bas, nous pourrions avoir besoin de leur aide pour libérer Nella. Voilà. On se retrouve sur place. Let's go. Je vais rester ici, m'assurer que Lady Latrine ne change d'avis. Lottie, mon nom est Lady. Oh, et vous restez très silencieux, je vais guetter, mettre un poing dans la gueule. N'en dites pas plus. Ouais. Ah, la forêt de Greenland. Bah, la dernière zone, hein, du coup. Hein. Du coup, ça y est, on a tout visité. Hein. Ah non, quoique, il y a encore un petit passage là-bas. Ouais bah je crois qu'on va vraiment être niqué parce qu'il me reste plus qu'une heure. Je pense qu'en une heure j'aurai pas le temps de... Je pense qu'en une heure j'aurai pas le temps de faire tout ce qu'il reste. Allez viens Belinda, viens manger un saune. Maman je capture du temtem, je voulais pas ton pique-nique. Oh là mais regardez-moi ça, vous avez tous ce stéréotype du dresseur de temtem. Le regard avide, les mains crispées. Et vous faisiez un petit combat avec ma fille. Si vous faisiez un petit combat avec ma fille, essayez de la convaincre de venir au goûter au passage. C'est déjà fait. C'est vrai, ah d'accord. Bah, c'est faux en plus. Eh ben. Grosse équipe hein. Pour juste une maman qui va. Oh putain le niveau. Juste pour une maman qui va juste faire un pique-nique. Au moins elle sait se défendre. Aïe! Juste aïe. Oh, sa mère! Eh ben, c'est fini pour grand-père. Ah non! Tout aussi con que moi, finalement. Non, c'est pas plus mal. Non, non, pas se reposer là, oh, oh. Hop. Et hop. Ah bien. Et vache caille. Et salut Bubble. Ah ouais, cette attaque est forte, mais du coup, vu que tu commences speed life, c'est très bizarre quand même. Hein. C'est bon. C'est bon. Bon combat quand même. Hein. Bon combat qui m'a juste cassé la gueule en fait. Hein. Vous avez bénéficié du combat avec ma fille, dites-moi, vous êtes célibataire? On joue un personnage mineur, je crois. Hein.
crois qu'on joue un personnage mineur. Ah! Alors peut-être! Allez les stats, allez les stats! Allez les stats! Ah, j'ai un petit goût dégueulasse dans la bouche là, c'est... J'arrivais pas à mettre la main sur, sur ce que c'est comme goût, mais c'est dégueulasse. Ah bah ça fait sans doute, j'espère. Bah écoute... Écoute, il va falloir qu'on ait des preuves quoi. Il va falloir qu'on ait des preuves parce que là, c'est un peu bizarre quoi. Allez, on va la passer cette forêt. Du coup, je me fais de passer en bas? Pas du tout, j'aurais pas pu passer en bas. Allez, on est reparti. Ah, Momo et Brocoblin. C'est surprenant comme mob à croiser, mais... Ah ouais. D'accord. Joli truc de Momo en vrai, si tu joues avec un type flotte. Tour d'après ils sont gelés quoi. Eh c'est mon coin, c'est mes champignons que vous cueillez. Les champignons? On peut pas dire que vous cherchez à le cacher. Ouais. En fait je préfère les Temtem. Tenez, vous savez quoi, si vous me battez je vous laisserai cueillir ce que vous voulez. Mais si je vous bats vous devrez m'aider avec ma cueillette. Marché conclu. Vu que je ne perdrai jamais. Bah bien sûr, bien sûr. Le RP, le RP. Le RP. Bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai pas tapé le même. C'est un peu con ce que j'ai fait mais bon. Alors... J'oserais deviner que le dernier qu'elle a c'est l'évolution. J'ose le deviner. Tu sais que c'est osé, mais j'ose le faire. Niveau 85. 95. Ok. À se calmer par contre, hein. Ok. J'ai fait mes attaques les plus fortes. Hein. En même temps, il a Corias, qui fait qu'il prend 20% de dégâts en moins. Donc forcément, ça n'aide pas. C'est pour ça qu'on va passer sur Kazuma. Là, il va prendre son tarif. Voilà, monsieur. C'était un beau combat. Bon, d'accord, prenez champignons, il n'y a même pas de chanterelle ici d'abord. Bah, alors on rage? On rage? Point d'interrogation. Hop. Hop. Et hop. Faudra que j'achète des baumes aussi. Ok, je vais passer en bas. Je fais le chemin plus optimisé pour aller plus vite. Hein. Bon, j'ai vu qu'il y avait un, j'ai vu un dresseur. Oh, les gorongs. C'est là qu'on les trouve. Logique en vrai. Je l'avais vu. Et paf! Embuscade du Belzoto, oh non!
Oh non, et en plus il me sort des monstres que je ne pourrais jamais tuer. Oh, comment je vais faire? Oh, ça va être dur, bon dieu. Oh là là. Oh bah je dis ça, mais je vais jamais les tuer en un tour, mais c'est pas grave. Prochain tour, ils sont dead. Voilà. Ils ont tous des Inky, genre c'est... Ah non, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais bon. Bon, autant de gens avec un Inky, ça me donne même pas envie d'en avoir un, quoi. Oh, Grumper 77, let's go. Oh, le Babawa. Ouais. Ah, ça c'est dur, quand même. Dans ce genre de situation qu'un type poison ce serait pratique, très pratique. C'est pas facile à choper. Hop là les diffs là. Bah on va faire ça parce que... Ça c'est mon sidepad. Oh, si clairement on aurait pu faire plus. Mais... Très très bien ça. Ça n'a pas marché, la cible s'échappe. Préparez le prochain. Oui. What? Ah oui, c'est vraiment genre... oui. Quand ils disent que c'est une embuscade, c'est vraiment, ils ne mentent pas, quoi. Oh la vache. Vous avez foncé droit dans mon piège, misérable rat du congrès. Oh non, il va y avoir que ça. Allez, coup de tonnerre. Et aqualam. Comment je ne le tue pas, quoi? C'est parce qu'il est peut-être parce qu'il a 6 niveaux de plus que moi. Peut-être. On va faire ça dans le doute. Ah. Au revoir, grand-père. Ah, une chaussaille, hein. Trop forte comme attaque. Bien trop forte comme attaque. Bastion niveau 90, ça. Ah, let's go. Ah oui. Ok. Ah, fais ta petite présentiste là, ouais, on est content. Aïe, ça pique. Et là tu le brûles. Et là tu l'élimines. Là tu le dégages. Allez. Oui monsieur. Allez, on commande des embuscades encore. Et de l'opération Petit Bois, je répète, opération Petit Bois a échoué. Repli au château et mise en place des mesures de retardement. Mais comment ils sont au courant qu'on peut passer par là? Vu qu'ils ont dit juste avant qu'ils n'étaient pas censés savoir qu'il y avait un passage par là. Allez! Allez, 50-50, s'il te plaît. Il a récupéré aucun 50. Il en a récupéré 0. Il est pas mauvais, hein. Mais juste, il a récupéré aucun 50. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse qui vient de se passer. Bah ouais, bah c'est... Je sais pas ce que je fais du coup. Soit je...
Soit on part refaire quelques œufs pour tenter le perfect, soit on va utiliser un truc qui est seulement 5 quoi. Mais bon, seulement 5 c'est... On veut pas ça, on veut pas nous. Et coriace en plus, ah oui, y a vraiment rien pour lui quoi. Bah par là hein. Ah, pardonnez-moi, cher dresseur, mais... Robin. Vous avez l'air de quelqu'un d'aisé. Non, je suis fauché. Dans ce cas, que diriez-vous de mettre votre habileté à l'épreuve, histoire de voir si c'est possible de contribuer à la cause de ma joyeuse bande de dresseurs de la forêt. Il s'appelle Robin, le machin, putain. Attends, il y a une araignée? Attends, mais vraiment? Il y a un temtem araignée, c'est pas possible. Qui s'appelle Arachnite en plus. Genre vraiment, il peut pas faire plus araignée que ça, quoi. Bah on brûle hein. Blue Panda, désolé, je ne fais plus des buzz sur Minecraft pendant un petit temps pour l'instant. Oh, il y a vraiment un temtem araignée quoi. Du coup type toxique nature. Ah, ou toxique neutre. Du coup discret, ça fait très neutre je crois. Ils ont fait la blague du Robin des Bois, ouais, tout à fait. Si on avait encore des doutes. Ah bah du coup, en vrai, j'ai pas grand chose d'efficace contre lui, hein. C'est pas la sous-évolution d'un Temtem déjà vu. Bah, un Temtem araignée comme ça, ça me dit rien du tout, hein. Sauf si j'ai vraiment une mémoire très mauvaise, mais il me semble... Enfin, je me sens pas du tout, hein. En tout cas, c'est la première fois que je vois celui-là. Il y a un magmout, bien sûr. Oh, sur le premier, on en a sûrement déjà vu un, hein, mais j'ai aucun souvenir en tout cas. Bon, nous sommes prêts à faire des exceptions pour vous. Bonne route, cher dresseur. Merci Robin. Robin of the Wood. Robin of the Hood. Hop, pip, hop. J'ai vraiment esquivé un combat. Oh, c'est trop chaud. Juste trop chaud en fait. Ah, je savais bien que j'aurais pas dû laisser ces vieux nullos au pont. En tout cas, ça va changer la musique avec moi, ordure du congrès. Mais cool en tout cas, moi j'ai rien demandé. Hein. Après, ordure du congrès, votre patron aussi était au congrès. Hein. Donc m'insulter d'ordure du congrès, bref. C'est insulter ton patron quoi. Mais enfin bref. Ça c'est un beau team place. Oh. D'accord. On va cramer la gueule hein. C'est quoi, c'est poison pur Noxolot? C'est pas impossible. De toute façon l'eau ça sert à rien contre eux. J'ai vu que c'est MV. Mister MV? Ouais. C'est... Pardon. Non mais ok. Non mais ça me disait rien, ça me disait vraiment rien. Ouais. Mais bon. Très bien. Non mais c'est vrai que quand tu regardais le Tempédi, il y avait des petits trous. Il y avait des petits trous ici et là où on avait toujours pas vu des trucs. Donc en vrai, ça m'étonne pas trop. Pas de sang.
Et du coup, normalement, si on regarde le temps PD, du coup, ça devrait être... Je me rappelle que justement, il y avait un endroit où il y avait deux trous. Il y avait vraiment une famille qu'on n'avait pas vue du tout. Là, par exemple, il me manque l'évolution de Brocork, s'il y en a une. Ah non, je pensais que c'était là. Pas du tout. Ah non, du coup, c'est ça. Arachnid, c'est vraiment un truc unique. Il fait plus 3 attaques SP. Oh. Ah ouais. Qui n'a pas d'évolution, du coup. Du coup, il reste ça quand même. Il reste un duo. Enfin, une sous-évolution et une évolution, ou deux trucs différents, que j'ai toujours pas vu. Et il y a ça aussi, mais bon, ça, je pense savoir ce que c'est. Puis bon, il y a ça aussi, mais bon, clairement, ça, c'est juste du spoil parce que les gens l'ont. La musique est folle. Bon coblin. Bro coblin. Mais j'entends un gobelin et un brocoli. Bon, ça se voit. Hein. Ça se voit. Hop, allez, on y va. Allez, Soret, faut barrer la route à la jour du congrès tant que notre roi quitte le château. Longue vie au roi, le clan. Mais ils sont pas censés savoir que je suis là. Vraiment, la Lady Lottie s'est foutue de notre gueule. Hein. Je vous le dis. Hein. Ils sont pas censés savoir qu'on est là en fait. Ou alors ils sont allés dans la forêt histoire d'eux, sans savoir que... Enfin bref, bizarre quand même. Ah les deux ils sont low life hein. Ah peut-être. Après c'est pas ce qu'a dit Lady Lottie, Lady Lottie elle a dit que c'est un passage que personne ne connaît sauf elle, donc Ah ouais, peut-être qu'il pense qu'on va arriver depuis des bois vraiment paumés quoi. C'est pas possible. Ouais, j'ai bah dommage. Oh non, pas Karen. Hein. Not the Karen. Boom plus, ça va te faire tsunami. Alors que Piranen, ça le heal, mais bon. Pas grave. Ça va. Ça me va s'il est con. Hein. Oh non, pas le Shwin. Oh non, pas le Shwin. Shwin, c'est quoi déjà? C'est haut nature, je crois. Donc, il y a pas grand chose que je puisse faire avec mes trucs. Donc, on va gentiment faire ça. Au cristal, oui, c'est ça, pardon. Et du coup, oui, dans ce que j'ai, du coup, il y a pas grand chose qui puisse. Pas grand chose qui puisse m'aider. C'est grave. Allez, ça part. J'en ai aucune idée d'ici. Je pense que c'est tout le temps. L'inverse m'étonnerait. Oh, il a plus de vie. Complètement con. Pas très intelligent le Shwin hein. Bref. Oh, pas que les PNJ cheat hein. On a croisé un PNJ random qui en avait un. Hein. Les efforts n'ont pas été vains, Soret. Et si on laissait tomber tout ça et qu'on rentrait chez nous? Bon, je pense que c'est une bonne idée, tu devrais faire ça. Ouais. Tu devrais écouter ta soeur. Ah! Dernier off. Ah, dis-moi qu'il est bien s'il te plaît, parce que bon, on a eu que des œufs catastrophiques pour celui-là. Hein.
Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, il est mieux déjà. C'est pas encore. En plus, il a pas le bon talent. Si, c'est ça, non, c'est ça, non, toxique, c'est bon, c'est bon. Il lui manque encore un petit peu de défense P, mais. Et en plus, c'est encore une femelle, donc on va pouvoir la réutiliser pour refaire des œufs. Même s'il y a pas beaucoup de repros à faire. Mais c'est très bien déjà. C'est très bien. Pouette, pouette. Ouh. Ah, checkpoint. Et en plus, c'est une quête. C'est bon ça. Mais c'est Luigi? Comment ça? Comment ça? Oh, le Minox fringant! Mais oui, mais attends, mais il y a. Genre, je fais certaines Ena. Oh, une blonde, c'est ça? Oui, je me souviens d'elle. Vous êtes Jimmy Bois? Elle m'a beaucoup parlé de vous, elle vous aime beaucoup. Elle est restée ici quelques nuits à vous attendre, elle avait l'air nerveuse. Elle a fini par partir en direction du bois à l'est. Elle m'a demandé de vous dire d'aller rejoindre là-bas. Merci pour... Merci. D'accord. Qu'est-ce que c'est les bar... Ouais, c'est... Ouais. Il va se cacher ce soir. Oui! Bah ouais, bah ouais, Astron. De base, on devait faire vendredi PVP, mais Pierre, il a chopé le Covid. Donc bah du coup... Du coup, bon... il me reste plus que vous, quoi. Je me suis dit que j'allais jouer avec les autres. Ah ouais, moi c'était que ça quoi. On va faire avec. Hein. Moi un connard? Non. Non, je pense que c'est malvenu. Voilà, avec ça, je pense qu'il y a un monde où on peut récupérer un Cicrox, bon, full vert, mais même s'il n'y a pas forcément les meilleures stats. Moi je peux aller chercher un autre Azrat et tenter mieux. Je prendrai une bière. Bien tenté, réessaye dans un an ou deux. Ah, un ragoût champignon. Je vais voir ce qu'il en reste. Désolé, je suis à court de ragoût. On aurait dû se faire livrer aujourd'hui, mais il y a eu un souci avec le fournisseur de champignons à Bois de l'Est. Je peux vous aider? Eh bien, peut-être. Il a de l'expérience en cueillette de champignons. Il m'en faudrait pour préparer le ragoût. Très bien, j'adore les balades en forêt. Ça marche, je fais vite. C'était mon parvenir avant 800 ans. Ça va être trop facile, hein. Bien sûr. Ah mais d'accord, en fait il y a plein de... Oh la vache, faut retourner là-bas. Oh. Oh. Oh, le petit vendeur de fruits là. Bienvenue au smoothie de Smelrada. Smelrada, je m'appelle Smelrada. Ils sont vegan. C'est ouvert. D'accord. Ajoute 50. J'aurais pas dû, je suis désolé, je me suis moqué, j'aurais pas dû. Qui c'est qui va boire un bon smoothie à la mangue? Bah c'est Grumble. Ça n'a aucun effet. Ah. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris trop de CA ou que justement il est, ouais, il est au max. Oh, je suis deg en vrai. Merde, au secours, la team. Ah bah il est, ouais, ses CA ils sont à chier quoi. Bon, on va le garder pour un autre alors, c'est pas grave. Hein. Et bien journée, il pourrait faire un tour à dos de Minox. Ok. Le max c'est 1000, d'accord. Bah du coup faudrait peut-être que je pense à changer Je pense un peu tard certes, mais attends. Qu'est-ce que je pourrais les mettre? Parce qu'il il avait encore les protéines. Oh mais attends, j'ai pas vu ça. Plouf. Inventory général phéromone M032. C'est lequel le 32? Le M32 c'est lequel déjà? C'est lequel le M32? Ah c'est Uchik. Oh mais c'est pour le starter en plus. Let's go. 1000 CA et total et 500 max. Ok d'accord.
D'accord, d'accord. Là. Rien ici. Hop là. Constantinos Rex, il est notre sauveur. Bah, maintenant je le sais, hein, oui. Maintenant que je sais que c'est lui, maintenant vous le criez sur tous les toits, bande de cons. Évidemment. Secousse de Goron qui fait perdre un petit peu de vie à mes mobs. Un peu relou, mais bon. Ah, il est pas type terre, merde. J'ai cru. Il doit être gros type neutre. Salut Dryok, bon ouais, pas de soucis. Y'a pas de fous. Aïe! Le dos est brisé. Orage, une toute tsunami. Allez, hein. Oh, ils ont plus de vie. Bah je vais pas avoir le temps de taper parce qu'ils vont me buter avant. Mais tranquille, on ira sauver l'après sinon, pas grave. Mais c'est chiant. J'aurais dû taper Gorong avec lui. Ça, Gorong il va taper en premier. Ouais. Oh, le double kill de Gorong en plus. Pas du tout. Mais il m'a fait mal quand même. Oui, c'est sûr, Adrien, non, t'inquiète. Si on devait s'inquiéter à chaque fois que quelqu'un disait pas bonjour, tu sais, on n'avancerait pas. Hein. Mais c'est gentil d'y penser. C'est gentil d'y penser. Ah, tout est perdu, nous sommes perdus. Tout à fait. C'est ce que je me dis. On va se relayer là, vu qu'on a pris un petit peu cher. Après bon, je me dis, vu l'heure qu'il est, ouais, faudra pas que je traîne trop dans le château, quoi. C'est ça qui me fait peur. Et aussi, je vais commencer à manquer de pognon. Donc ce serait bien que je vende des petits trucs. Tels que mes cristaux énormes. Merde. Attendez un peu plus quand même. Parce qu'en fait, le problème c'est que j'utilise tellement de baume plus que bah du coup ma thune ne remonte pas quoi. C'est à dire que bah, mes stocks commencent un peu à être rick-rack. Salut Vadou. Ah oui, c'est vrai qu'elle est dehors elle. Ouais, t'étais pas bien dehors. Il y a moins de motos et de voitures qui passent. Oh, je le connais pas lui. Hop là. Bah voilà un truc que j'avais pas vu. Allez, on y va. Oh, encore une embuscade. Oh, c'est vous qui avez infligé ça à notre roi, vous allez payer cet affront. Oui. C'est pas ça que je pense pas utiliser, enfin je pense pas assez utiliser la fiole. Use the dark. La couleur c'est pas un luma. Non, pas du tout. Il avait pas le petit effet brillant, il avait pas du tout deux petits effets brillants du tout. Ouais, cannabis c'est vraiment genre le truc, enfin ouais type O, j'suis plus en galère. Hein. Tellement mal. Oh sa mère. Allez, orage, zblé.
Et vague, vague de lave. Ok. Ok, pas mal. Vraiment, ça tue là du coup. Ah. Là, le chat. A chaque combat, j'en laisse un HP. Bah ouais, mais c'est toujours pareil. C'est pour ça que j'utilise autant de heal. Platémos. Bah c'est très relou en fait, hein. Faut le dire, hein. C'est très relou. Ça va, mon chat? Allez, installe-toi, mon chat. Non, je vais pas t'installer. Ça va, mon chat? Ça va, le chat? Let's go, le chat, quoi. Let's go. Hop là. Ça va. Ça va? Hmm? Oui, mon petit chat. Bah oui, hein. Dernier tour à RAT, grand-père. Bah... on dira tant. On va espérer qu'il crève pas. On va mettre Gazuma avec lui, hein. En fait, c'est super important, le mieux c'est de rien dépenser en boom vu que la thune est mieux et moins dispo en endgame, faut profiter d'accumuler dans la monture. Ah mais bon, je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait. Bon, j'avais une chance sur deux, soit il tuait Saipad, soit il tuait grand-père. Bah il a tué grand-père. C'était une chance sur deux. Niveau 78. Général, général, le congrès est à nos portes. Et pas que. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ah ouais? Ah ouais? Oh non, j'aurais dû me mettre avant. La dernière son poste, votre majesté. Cette vipère déloyale. N'aurait jamais dû le faire confiance à cet aristocrate opportuniste pour... Ah, c'est pas les mamans de la mettre en cause nos décisions, général. Vous avez... Avez-vous trouvé... Ah mais non, mais c'est... Ah, mais non, mais c'est Constantinos, putain, je l'avais pas reconnu. Je l'avais pas reconnu. Ah, c'est vrai que c'est plus le même, hein. C'est vrai qu'il a un autre look, hein. C'est pas le moment de remettre en cause mes décisions, général. Avez-vous trouvé le docteur Ramiro? On était dans la salle des machines lorsque l'appareil s'est écrasé, votre général. Votre majesté, je crains que... Non, mais non, non, je suis pas heal. Oh non, je suis pas heal. Ah, j'étais en mode tranquille, je peux avancer. Oh non, c'est l'enfer. Toi, encore toi. Oh que j'aille, t'es toujours dans mes pattes à saboter mes plans comme un enfant trop gâté. Tant d'années de préparatifs minutieux, tout ça pourquoi? Je ne serais pas le seul à tomber. En tant que roi, j'ai encore un château à défendre et une carte à jouer. Tu me diras le jour où tu as quitté ton pathétique petit village. Général, couvrez-moi. Économise de ta salive, tu rejoindras bientôt tes petits collègues du congrès. Il est temps de finir ce que j'ai commencé avec Izawa. Non ! Non ! Le pire, c'est que j'ai hésité à me heal direct, j'aurais dû ! Bon ! Bon, je l'ai tué déjà une fois alors que j'étais niveau 60. Je peux bien le buter une deuxième fois. Allez. Ah putain. Je suis le roi des connards. Je suis le roi des connards. Ah la vache, je me déteste.
C'est l'odeur du game over qui approche. Moi, abandonner maintenant, c'est mal me connaître. C'est très très mal me connaître. Hop, allez. Mets tout ce que tu veux, mon grand. Mets tout ce que tu veux, y'a aucun problème. Mets tout ce que tu veux, y'a aucun problème. Mais son système, il est niveau 100, bordel! Oh, aïe 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 aïe. Par contre, focus le Zizar parce que c'est. Il est niveau 100, le machin. Il est trop dangereux. Bah évidemment qu'il le retient. Évidemment. Il remet Kazuma, ok. Bienvenue de Shaolan. Mais what? Mais Shaolan c'est trop fort, ça fait que booster. Ah et du coup j'ai raté mon attaque du coup parce que... Je suis dans une sauce. Oh la vache. Faut qu'on focus Shaolan. C'est... En vrai Shaolan c'est le plus dangereux parce qu'il fait que buff ses potes. Donc vas-y on va le focus. C'est quoi Saipat, tu donnes tout. Allez. Ça va être dur hein. Ça va être dur mais j'ai de la réserve. Tu sais, c'est pas comme si vraiment j'y allais et que j'avais pas d'objet quoi. Alors bah Gazuma, si tu es le roi des cons, c'est ton problème. Hein. Sur Saipat, sur Saipat. Et Saipat, il est à côté, il a 17 HP, il le focus, il le tape pas, genre. C'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens, genre ce qui se passe. Shaolan, il est quoi? Il est normal. Vas-y, je vais faire coup d'éclair. Je vais faire coup éclair, vas-y. Hein. Pas réfléchir à 800 ans, enfin, coup de tonnerre. Attends, Astro, regarde. Regarde le niveau de celui-là. Regarde le niveau de celui-là, Astro. Voilà. Voilà. Au cas où tu l'avais pas vu. Ah mais le jeu est comme ça à ce moment. C'est le jeu qui est comme ça hein. C'est normal en vrai. Le jeu est bien plus dur que Pokémon hein. C'est pour ça que c'est un jeu intéressant. Parce que t'as une vraie difficulté. C'est pas juste affronte un mec qui a des Pokémon qui... Enfin des Pokémon oui pour reprendre. Qui a des monstres qui sont moins haut niveau que toi, qui sont à chier là vraiment, tu tapes des trucs, bon tu chiales quoi. Hop, Yola, il est niveau combien déjà lui? 95? Ouais. Ok, bon, Shaolan au moins est plus là. C'est une bonne chose. T'as le spot de farm intéressant pour XP? Non, je connais pas. Mais no spoil, t'inquiète. On va mettre Bastiwan. Avant de Bastiwan, et il va falloir que je heal grand-père. Mais ça se passe en vrai. Ça se passe. C'est juste qu'en fait, malheureusement, je suis allé là-dedans. Je me suis pas heal. Ça a été une grosse erreur en vrai. J'aurais dû me heal. C'est pour ça que c'est un peu la merde. C'est parce que j'y suis allé en mode YOLO. Parce que je m'attendais pas à tomber sur ça en fait à ce moment-là. Donc bon. Ah, pour faire une équipe équilibrée. Ah non, mais y a pas de team équilibré dans le jeu, Astro. Non. Une équipe équilibrée, ça existe pas dans le jeu. Hein. Surtout que lui c'est un des boss du jeu en fait. C'est ça qu'il a ça bordel. La Team Rocket s'envole vers d'autres ciels. On va se re-heal avec Grumper. Et on va focus le Zizar parce qu'il faut qu'il dégage. Le vire pas s'il te plaît, le vire pas. Nice. Allez dégage ta merde là, dégage ton truc là. Niveau 100 de mes deux là. Là c'est scénario Astro. Là on est vers la fin du jeu. Donc le petit spoil, ouais. Bon ok. Valia, en vrai, je lui fais coup de tonnerre. Faire un orage, je pense, ce sera mieux.
Et toi tu vas te heal. Je crois que j'aurai pas le temps de finir ce soir hein. Parce que là il est 20h06 déjà. Je crois qu'on va devoir faire garder le suspense pour dimanche soir hein. Y'a plus loin qui dit bossant. Non je crois pas. Non c'est juste que ce jeu prend vraiment le... C'est vraiment que ce jeu prend le plein potentiel tu veux, si tu veux. Tu sais dans Pokémon tu peux aller jusqu'à 100 mais l'arène elle va jusqu'à 60. Là vraiment le jeu te dit bah t'as jusqu'à 100 tu vas jusqu'au niveau 100. Et c'est, moi je trouve que c'est un, moi, c'est, moi, je trouve que c'est un bon point. Je trouve vraiment que c'est un bon point. Le endgame, bah t'approches du niveau 100. Moi je trouve ça logique en vrai. Le seul défaut je dirais c'est que du coup l'histoire est très longue du coup. Parce que du coup là l'histoire c'est je suis à 40 heures quasiment. Donc on pourrait dire un peu que du coup ça tend à être un peu trop long quoi. On va dire. Tranquille. Allez Yolar ça dégage. Yes. Ces deux meilleurs mobs ils sont dégagés déjà. Ah. Ça se passe... Quand on a les items ça se passe bien. C'est juste que bah du coup je vais plus avoir grand chose en réserve quoi. Et ça c'est un peu relou. C'est Adrayok, merci beaucoup pour le 4ème mois. Merci beaucoup. Eh ben. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah non mais après on a pas besoin de remaniement hein. Non non en vrai c'est, oui c'est vrai il y a beaucoup de combats certes mais bon. T'es un peu obligé quoi, c'est au bout d'un moment. On va se donner pour buter Valiar je pense. On va dépenser un peu plus qu'on ne devrait. Comme ça au moins le Valiar il peut dégager. Et prochain... Ouh voilà. Il en reste plus que deux. Il en reste plus que deux. Franchement on se débrouille bien. Le général ça fait, on va le démonter deux fois en fait. Ah mais il reste Raikkonen en plus, ça va, ouais ça va. Il va se faire ouvrir en deux le machin. Bon double heal. De toute façon son Raikkonen peut rien me faire. Il a rien de super efficace contre moi donc en vrai ça va. Par contre, on va devoir se reposer. Oh le gameplay item, le fameux, hein. Le fameux gameplay item. Hein. Et bon, je suis obligé. Hein. Ah niveau musique, c'est pas mal. Bah, focus Gazuma, hein, si Gazuma il se met dans le mal tout seul. Dans le focus, hein. Ça suffit ça. On va assurer le pas. Ouais allez. Ah bah Gazuma peut pas taper. Donc y'a aucun danger ouais. Non bah c'est gagné hein. C'est bon c'est gagné hein. Il reste plus que Raikkonen, il va juste se prendre un truc terre into flotte et c'est bon. Ah la débordage j'y ai pas pensé par contre. Merci Wad. Oh le warrior. Allez séisme into Aqualam. Et là boum. Oh il a... Après ça va il fait Gaïa c'est bon. Bah parce que j'avais pas trouvé de truc vraiment intéressant pour terminer ma team Astro et bah j'en suis arrêté là. Parce que le problème c'est que du coup les monstres intéressants que j'ai trouvé pour la suite je les ai trouvés maintenant. Mais vu qu'il faut que je sois niveau 80 pour tenir ces combats bah ça sert à rien que je les mette dans mon équipe pour l'instant. Enfin si j'aurais pu mais bon.
Tout est perdu, vous n'aurez jamais, notre roi, putain. Allez, je vais casser la gueule. Hop là. Bon, ça m'a coûté beaucoup d'objets, mais c'est pas grave. Bah tiens. Mon travail, j'y mets moi pour un dresseur ordinaire, ça m'impressionne. Le Constantino s'est échappé. Par sa recherche, j'y mets moi, nous demeurons ici pour nous assurer que ce voyou en uniforme ne s'échappe pas. Putain, misérable vermine, vous n'êtes rien. Mon roi prendra sa revanche et vous écrasera tous et... Oh, ne vous fatiguez pas, jeune fanfaron, l'ère du clan Belzotto est terminée. Je vois que notre génie du mal est parti par là-bas à travers les bois. Du moins, ce qu'il reste des bois. Il y a un catastrophe maintenant, une raison de plus pour le faire payer, ouais. Ouais. En vrai, vu qu'il est 12, je vais pas avancer plus loin. Même moi, ça me frustre à mort. Mais je vais arrêter, enfin, je vais pas avancer plus loin dans l'histoire. J'ai pas le temps, je vais pas avoir le temps de terminer. Donc À quoi bon continuer ça? Bah juste heal. Ouais, on va se heal et puis on va peut-être retourner faire des œufs pour essayer de faire le truc parfait quoi. Oh, c'est ça le truc qu'on a vu. Le Mosu. Ah non, c'est pas Mosu, c'est le Miatol. Miatol. J'ai peur de le one shot si je fais ça. Dans le doute, on va mettre Gazuma. Hop. Bon, le Terminator, on fera des sardines. Ouais, mais bon. J'ai peur de pas avoir le temps de tout finir quoi. Oui, c'est un des deux qui me manquait, ouais. Et son évolution, on l'a vu tout à l'heure. J'ai peur que ça le tue, hein, parce que c'est un numérique. Hein. On va voir. Hein. Attention! Oh, pff, large! Ah, par contre, la Sion avait plus de rien, quoi. Ah, salut Bueno. Ça va, bah ouais, ça va. Oh le match des 6 mois, let's go. Bravo. Bravo pour les 6 mois. Et merci. Let's go. Ouais, nature numérique. Ouais, nature numérique, c'était sûr. De toute façon, à la gueule, tu te doutes bien que c'est un nature numérique, ouais. Attends, on peut partir. Hein. Aïe. On va partir, ouais. Mais en fait, c'est ça. Oh non! Oh non! J'aurais dû utiliser la potion. Oh non, il va être niveau 100 son truc. Son truc, il est niveau 100, j'annonce. J'annonce, c'est niveau 100. Vite. Trop facile à prévoir quoi. Oh c'est chiant. Je suis quand même pas crevé devant non. Ça, grand-père, il prend pas très cher. Il me reste plus grand-père en fait. Alors. Ah non, c'est bon. Ah bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Allez, pète-lui la gueule, c'est bon. On va arrêter de se foutre de ma gueule là. Voilà. Brrr. Allez, dégage. Hop là, même avec ta merde niveau 100, t'as même pas réussi à me buter quoi. La honte. C'était vraiment du tonnerre. Je l'ai. Parce qu'en fait son monstre était type électrique, donc c'était du tonnerre. Et du coup voilà, c'est ça. Et du coup l'évolution c'est ça, ouais. Pfff,
Est-ce que je termine dimanche ou est-ce que je termine maintenant? Moi je sais pas combien il me reste en fait. C'est ça le problème. Après il est combien? Il est 20 là? Ouais, tu vois, après. Que j'ai en vrai en 3 quarts d'heure je pourrais pas terminer hein. Oh, d'accord qu'en 3 quarts d'heure je termine pas hein. Parce que bah en fait il me reste ça, mais il me reste tout ça à visiter. Plus le château. Ouais, oh, il reste 3 à faire hein. Ouais. Non bah écoutez non, bah on va... Cliffhanger jusqu'à dimanche soir. Ça me frustre autant que vous, croyez-moi, mais... Mais bon, vaut mieux, hein. Ça reste 1h, 1h15. Eh ben, on se passe à dimanche soir, là. Que ça, dimanche soir, on termine l'histoire. Et à partir de lundi, on peut commencer à faire le farm 100%. Et on vivra notre meilleure vie. J'ai hâte. Ah, et pour moi aussi, c'est suspense, hein. Pour moi aussi, hein. Parce que du coup, ça me bloque tout jusqu'à dimanche, là. Du coup demain j'y joue pas mais j'y joue dimanche soir du coup. Aïe aïe aïe. Ah le 17ème Lumal qu'on a vu aujourd'hui. Je crois. On en croise des joueurs qui ont des Lumas hein. Ah, j'aimerais tellement faire partie d'eux. J'aimerais faire partie de ces gens qui ont eu des lumas, mais bon bah faut croire que... Pète un câble. Oh putain oui. Bah écoute, si tu le prends comme ça mon gars on va te focus toi hein. Y'a aucun problème hein. Aïe aïe aïe. Mais bon, enfin on voit la lumière au bout du tunnel. C'est pas que j'ai pas aimé l'histoire, c'est que je trouvais qu'elle était un peu trop longue. Donc je suis bien content de me dire que enfin on va arriver à la fin quoi. Vu que moi comme dit dans ces jeux là, ce qui m'intéresse surtout c'est le farm 100%, genre tout, fouiller toutes les maps, faire toutes les quêtes secondaires, faire le Tempédi en entier. C'est ça qui me hype moi. L'histoire est cool mais c'est pour moi c'est un peu... Ce que je préfère c'est New Game Plus quoi. C'est quand tu débloques la suite. Là c'est intéressant. Aïe. Ah ouais, c'est toujours pareil. Après. Ça par exemple quand on a fait Lego Star Wars, là quand j'ai fait le 100% Lego Star Wars. Moi j'attendais que ça justement de faire le 100%. L'histoire c'était cool mais bon. J'aime trop la liberté que t'as après. Ah, pauvre grand-père. Pauvre grand-père. Qui se fait casser la gueule en boucle. J'ai même pas le temps de faire un seul œuf. Oh. Oh, il m'a ressorti un grand-père en plus, ce salaud. Oh, mais il va me laisser tranquille deux secondes. Oh, fais-lui un tsunami dans la gueule par pitié. Hop là. Quel enfer. Quel dommage de pas avoir le bon timing quand même. Oui, allez, va-t'en. Allez, zou. Putain, c'est si loin, bordel. Hop là, lui je l'ai pas affronté, faut que je l'évite. Et ici je peux y aller. Petit Meowtal. Très bien. Oh, laissez-moi sortir par pitié. Ah mais attends, ah oui, les champignons. Hop là, des cicatelles poussent dans ce tronc, ça a l'air délicieux. Que fait cette caméra ici? On dirait un film d'horreur, je serais mieux de rien toucher. Non!
C'est sûr. Eh, c'est mon riz, hein. Bah ouais, c'est mon riz. Essaye de péter mon riz. Allô. En tout cas, quel jeu incroyable. Quel jeu incroyable, juste. Trop bien dit, c'est trop bien de jouer à ce jeu. En fait, dès que je lance un combat, mon PC il commence à s'envoler. C'est fou à quel point ça prend de la ressource de lancer un combat. Là. Là. Nice. Ok, ça devrait suffire pour le ragoût. Nice. Hop, on va ramener ça la prochaine fois. Rendons-nous. Au pire, j'ai pas des quêtes à rendre. Bah là, si pas en cul, je vais aller rendre des quêtes. Parce que j'ai même pas le temps de faire des œufs en fait. Le temps que j'aille déposer et qu'on attende que l'œuf y ressorte, bah il sera 30 quoi. Donc là, en 8 minutes, ouais, on va aller rendre des quêtes. Mais par contre, la journée est passée tellement vite aujourd'hui. Mais c'est bon signe en général. Quand ça passe trop vite, c'est que tu t'amuses. Donc en soi, c'est pas si mauvais. Hop. On va à Sipancu. Le pays du pan-soleil levant. Parce que j'ai pas mal de trucs à rendre là-bas. Il me semble. Du coup, il y a du nouveau monde pour ce soir ou on va être que 5? On est que 5. Ah! On va être que 5. On saurait le faire à 5. Musique de fou. Donc, une quête à rendre ici, une quête à rendre là et une quête à rendre là-bas. Deuxième ? Non, troisième ? Hein ? Ah, ok. Qui vous parlez ? Si, au premier étage, hein, c'est un vrai phénomène lui aussi. Ah, premier étage du coup. Ah oui, mais du coup, oui, d'un coup, ça, et du coup, faut lui parler parce que du coup, il a perdu son frigo aussi. Ah non, c'est bon ça. Je croyais qu'il avait pas un frigo ici hier. C'est là que le frigo de Miyako a atterri ? Oh, peu importe, ça me fait des ramen gratos, j'ai pas raison. Tu as idée de ce qui se passait ici ? Ah non, mais je veux pas me plaindre, hein. Si ça t'intéresse vraiment, demande à quelqu'un de vraiment intelligent, genre à ma pote Satoko, elle a le cerveau de la taille du Kiliba, je te jure. Ah, chez Nantolab ? Ah, tu es genre du voyant, c'est ça? Ouais, elle travaille là-bas, mais aujourd'hui c'est son jour de repos, donc elle doit sûrement traîner à Izakaya. D'accord. Ouais, bon. Finalement, j'ai pas de quête à rendre. Si, j'ai une quête à rendre, mais elle est là-bas, dans les rizières. Donc on va aller la rendre. C'est la vieille dame qui avait son petit pot, son petit bol, qui était cassé. On est allé réparer. Ouais, c'est ça, c'est ici. Hop là, le 18ème de la journée qu'on voit. Bonjour. Oh non, je vais devoir éviter ce monstre. Oh là là, quel dommage. Ah, oh, j'aurais été si heureux de l'affronter, de le capturer. Oh là là. Ah, tu as retrouvé l'artisane, montre-moi le Shiwan. Oh, c'est encore mieux qu'avant, on dirait que l'artisane originel lui-même l'a réparé. La vie, tout comme le dressage de Temtem ou le thé, est un cycle constant d'apprentissage, d'accidents et de réparation. Mais savoir quand réparer, mon cher, c'est déjà beaucoup. Observe, je vais t'apprendre à purger les Temtem des influences néfastes afin qu'ils retrouvent la plénitude. D'accord. Ah, sa disciple condamnée, c'est bien ça. As-tu compris? Merci beaucoup, Sensei.
Ah mais n'oublie surtout pas que je suis appris de au moment de te dire t'aimes ta... Oui. Oui. Eh bah quête terminée, let's go. J'ai une quête à aller rendre tout là-bas et tout là-bas aussi. Mais c'est un peu loin. C'est un peu loin. Donc pour le moment, je vais pas y aller. De toute façon, il est 26. Qu'est-ce que je pourrais aller rendre? Parce que ça, je... Ah bah là-bas. Bah là, il y a plein de trucs, apparemment. Bon appui. En tout cas, pas trop étonné hein, que ça soit Constantinos le grand méchant. Désolé du spoil, mais c'est ça. Hein. En même temps, si vous venez sur un live Temtem où il y a marqué fin de l'histoire, bon bah voilà. Faut... C'est un peu... voilà, faut... Vous doutez bien qu'on va parler de la fin de l'histoire. Re-Romu. Bonjour. S'il vous plaît, ne posez pas de questions sur le nouveau modèle de Temtem numérique. Vous êtes ami du type au frigo? Bien sûr, comment pourrais-je vivre sans se connaître le type au frigo? Laissez-moi deviner, il est en train de paniquer? Comment ne pas paniquer lorsqu'un frigo apparaît subitement dans son salon? Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ce n'est pas une blague en fait, c'est une expérience scientifique. J'ai testé un tout nouvel appareil de transfert de matière à longue distance et forcément il me fallait une sorte de cobaye, vous voyez. Ma belle-mère Mayu avait justement acheté tout ce qui, ce tout nouveau frigo dernier cri et comme elle m'avait un peu agacé, je me dis que je pourrais commencer par là. Ah c'est cool en vrai la vie. C'est cher bordel. Eh ben. Mais attends, est-ce que je peux... Je suis même pas sûr que je peux en vrai. Attends, on va voir. Si c'est bon. Eh ben. Ah bravo. Hein. Je me suis dit que je pourrais commencer par là. D'accord. Bon ok, c'était peut-être un peu... c'était peut-être un peu une blague, mais c'était pour la science. Ça va rendre un téléporteur. Ah non, l'initiative appellera ça un téléporteur. Oui, ce n'est pas un terme scientifique, bien sûr. On va voir. Ah, je savais. Les dresseurs ne font jamais rien gratuitement. Vous savez quoi, j'aurais bien besoin de quelqu'un comme vous. L'archipel présente d'importantes fluctuations d'activité électromagnétique. Mes derniers tests indiquent qu'il pourrait altérer le transfert de matière de façon très déplaisante. Quelqu'un doit étudier les différents points de transfert potentiels à travers l'archipel pour vérifier s'ils sont exploitables et sûrs. Une sorte d'oclura de laboratoire, quoi. Je ferai tout pour gagner une récompense. Bien, ne vous emballez pas, je ne pourrais pas vous confier cette mission à n'importe qui et encore moins à mon précieux prototype. Je dois d'abord m'assurer que vous êtes une personne de confiance, quelqu'un de fiable et compétent. Je suis parti du dojo. Un travail de terrain, mon agent devra connaître l'archipel comme sa poche. Vous êtes déjà allé en Dominésie? Sûr. Dans ce cas, quelle est la plus haute montagne de la région? Anak. Quelle est la plus grande étendue d'eau potable de Tukma? Le réservoir. Oui, le réservoir. Quel réservoir? D'Oxolot. Bien sûr. Quel itinéraire faut-il suivre pour rejoindre Wumbi depuis... Ou pas... Oh putain. Wumbi depuis Upinzani. Il faut prendre les hauteurs. Attends, what? Wumbi, hauteur qui est... Oh, mais what the fuck? Non, mais sérieux ou quoi? C'est un de ces deux-là, je crois. Ah non, mais y a pas. Non, mais non, c'est le deuxième. Que faut-il traverser pour se rendre de Briscaldemar depuis Arisola? Que faut-il traverser pour se rendre de Briscaldemar à Briscaldemar depuis Arisola? Les falaises de Thalassienne, ouais. Oh vraiment, et combien y a-t-il de villes à Denise? 1, 2, 3, 3. Non, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vous observez de grandes quantités de cristaux volcaniques. Vous commencez à m'emmerder. Dans les mines de Miklan? Non, dans le cratère. Dans le cratère. Le cratère de Nawa, mais non, c'est pas le cratère de Nawa. Oh sa mère, c'est tellement dur. Ouais. Ouais. C'est ça que tu veux? Dans le cratère de... Bah le cratère de Nawa, puisque bon, les cristaux volcaniques. Et... Ça. Et... Et la NAC. Je vois. Je vois que vous êtes sincère, mais vous n'avez visiblement pas assez d'expérience. Quoi? Quoi? Comment ça? M'en fous, j'attends. Quelle est la plus grosse montagne de l'Omnésie? Bah du coup c'est le... Mais le Kilima, c'est quoi déjà le Kilima? Je me souviens même plus.
Non, c'est la nage de toute façon. La montagne, c'est, la, c'est le volcan. Je sais, attends, mais c'est quoi le climat? Mais le climat, je sais même plus ce que c'est. Non, mais non, c'est ça, c'est la nacre. C'est la plus grande étendue d'eau de potable, le réservoir de Xolotl. Je vais essayer de traverser les falaises thalassiennes. À 4. Dans les mines de Miquelon. Et ça. Et ça. T'as pas été, c'est à Kiziwa. Ah ok, d'accord. Ok, une zone que j'ai pas fait en fait. Donc l'anac. L'étendue d'eau potable de Tukma. Bah du coup, c'est pas le réservoir, c'est la cénote. Quelle cénote? La cénote de... De Kazuma Mishima, de Kakama. Quel itinéraire faut-il suivre? Ça. Les falaises. 4. En ça. Ça. Et ça. Bon bah dommage. On se gardera ça du coup pour la prochaine fois parce qu'il est 30. Donc si j'ai pas envie d'être en retard pour le cache-cache, je vais y aller maintenant. Dommage. Bah écoutez, on se termine du coup l'histoire dimanche soir. Et on avancera, on commencera à avancer les quêtes du coup bah, dimanche soir et lundi. Surtout lundi. Enfin surtout beaucoup lundi je pense. Mais en tout cas, trop bien. Genre vraiment ce jeu est un bonheur. C'est vraiment un bonheur ce jeu.